Alors aujourd'hui, je vous fais ce maquillage-là qui est un color pop, comme diraient les Américaines. En gros, c'est le maquillage que je portais dans ma dernière vidéo favorite du moment et dans la vidéo sur les bijoux Créafimo. Donc, c'est ce maquillage-là. J'ai reçu beaucoup de compliments dessus ou de demandes sur comment j'avais fait. Donc voilà, j'essaie de faire un tuto. J'espère que ça va vous plaire. Aussi, je sais pas si vous pouvez remarquer, mais la qualité est différente. Je pense que vous voyez un peu mieux les couleurs ou les détails. J'ai enfin changé de caméra depuis le temps que je le dis. Donc ça y est, j'ai enfin pu. J'ai changé de caméra, donc vous allez peut-être mieux voir les couleurs, mieux voir les détails, genre mes cils ou autres. Vous pouvez aussi toutes mes petites imperfections, mes boutons ou ce genre de choses. Enfin, je pense. Je sais pas, je teste là. C'est la première vidéo, donc je teste. J'espère que ça va aller. Faut encore. Bon, j'ai rien touché pour ce qui est réglage et tout, donc faut que je regarde encore comment ça marche et tout, les réglages. Mais pour l'instant, ça a l'air bien d'après ce que je vois là. Donc, yay! Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder le tutoriel. Alors, pour commencer, je vais appliquer un paint pot, ça c'est la couleur Painterly. Et je l'applique juste sous mon sourcil. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur qui s'appelle Rubenesque, qui est plus dorée. Et cette fois, je l'applique sur ma paupière mobile et dans le creux également. Ensuite, je vais prendre la couleur Oza Glitters avec un pinceau plat dans ce style-là. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et également dans le creux. Ensuite, je vais prendre sable, je tourne mon pinceau et je vais juste le mettre sur le coin externe et légèrement dans le creux. Ensuite, je prends un pinceau style 224 et je viens estomper. Ensuite, je vais prendre brûlé qui est ici. Avec le même pinceau 224 et je vais le mettre en highlight et en même temps ça estompe. Ensuite je vais prendre un pinceau fin comme ça et je vais prendre la couleur Schroom qui est ici, qui est un blanc beige pailleté et je vais le mettre dans le coin interne. Ensuite je vais prendre la couleur qui est ici qui s'appelle Shimmer Mousse. Toujours avec le même pinceau. Donc j'en mets sur la pointe et je viens tracer un trait juste au ras de cils. Et ensuite je prends cette couleur qui s'appelle Deep Truth. Toujours avec le même pinceau. Et je vais en passer au-dessus de chez Mormos. Comme ça. Je prends mon 224, je le regarde en haut et je viens estomper. Ensuite, je vais prendre un pinceau angulaire. Et je vais prendre le liner Lasting Drama de Maybelline. Donc je prélève de la matière. Et je forme la pointe sur un papier ou n'importe quoi. Et je vais tracer mon trait. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais ajouter du mascara. Donc, je vais utiliser le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Donc, c'est tout pour les yeux. Pour les joues, je vais utiliser le blush Dame de MAC. Je vais prendre avec un pinceau dans ce style-là. Hop.
Je souris. Et je reste sur les pommettes. Et pour les lèvres, je vais ajouter un gloss. Donc c'est un lip gloss de chez MAC qui s'appelle Just For Fun. Je sais pas s'il est encore disponible parce que c'est dans la collection Tartan. Vous voyez, c'est des mini, c'est ceux de la collection Noël. Donc je sais pas si vous le trouverez, mais sinon c'est un rose assez pâle dans ce style-là. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si la caméra va mieux, si vous voyez mieux ce que je fais, etc. Les couleurs, si vous voyez mes cils ou autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.